D'un milieu ouvrier, peu éduqué. Mes parents travaillaient dur pour leur famille. Ma mère était une femme à la maison. Mon père était un ouvrier machiniste à Montréal, à la Vickers, donc dans des compagnies de ce genre-là, Canadair, qui vivaient des périodes de chômage, puis qui retournaient au travail. Je le voyais arriver avec son coffre à outils de machiniste, là, de façon un peu cyclique, mais... On était quand même dans un contexte où on n'a pas eu faim, on a pu... Nos parents nous encourageaient à aller à l'école, puis à étudier, mais c'était pas des gens que je pourrais qualifier d'engagés. À l'école, quand il y avait un lieu où on pouvait s'impliquer dans des activités, spontanément, on le fait. Pour rendre service, il y avait tout ce contexte de valeurs judéo-chrétiennes qui étaient porteurs, je dois dire, de valeurs de générosité. Là. Si on enlève l'aspect dogmatique, fermé, il y avait des valeurs de générosité là-dedans. Puis je sais qu'à un moment donné, à l'école secondaire, une enseignante m'avait demandé si je voulais, durant l'été, travailler comme bénévole dans un camp d'enfants immigrants. Et je l'ai fait. Je n'étais pas en l'âge d'aller travailler pour faire de l'argent dans les magasins. Ça m'a ouvert quand même à un monde différent, un monde nouveau. Après ça, ça a été comme naturellement que je me suis impliquée au collège, à l'université, dans la vie étudiante. Et c'était les années 67-68. Il y a eu des mouvements de contestation, de grève. On revendiquait une participation des étudiants contre un système d'enseignement. On voulait des cours où on pouvait choisir, participer, donner notre avis sur la pédagogie, sur une pédagogie plus active, puis sur des cours plus ancrés avec les réalités sociales. Donc, ça a été un cheminement, je dirais, un peu naturel, progressif, sans que j'aie une vision, des classes sociales, de la lutte des classes. Bon, moi, je venais d'une famille ouvrière, mais je n'étais pas très consciente que quand j'étais à l'université, j'étais au Collège Jésus-Marie aussi, au sein d'un quartier bourgeois d'Outremont. Tu sais, je n'étais pas encore très consciente, justement, des rapports sociaux, mais je sais qu'il y avait des étudiantes dans ma classe qui arrivaient avec leur voiture ou le chauffeur, puis que moi, je faisais mes quatre lignes d'autobus pour me rendre au Collège Jésus-Marie, puis que j'avais une bourse, puis que j'étais une petite fille de l'Est, selon le discours de certains profs, surtout de certaines religieuses, là, tu sais, on était un peu une catégorie particulière, là, dans un collège comme celui-là. Quand je suis arrivée dans l'enseignement, ma première année en 68, on cherche toujours un délégué syndical. Hein, au début de l'année, j'ai levé la main tout de suite. C'était comme spontané. J'ai dit, je peux. Moi, ça m'intéressait.
d'être déléguée syndicale dans mon école, une école secondaire à Pointe-aux-Trembles. À l'époque, c'était la commission scolaire Le Royer. Une commission scolaire de grosseur moyenne par rapport à la CECM, qui était une grosse commission scolaire, mais c'était tout l'Est de Montréal, donc dans un milieu ouvrier. C'était l'époque où les parents étaient un peu l'aristocratie ouvrière, parce qu'ils travaillaient, toutes les compagnies de pétrole, les raffineries étaient dans l'Est, donc c'était des ouvriers qui étaient bien payés. Un milieu quand même qui n'était pas qui n'était pas le centre-sud de Montréal, par exemple. Qu'est-ce qui me motivait? C'était parce que j'aimais ça, parler au nom des autres. Il y a peut-être un petit fond de rendre service, de générosité, puis de défendre des idées au nom du groupe. Je trouvais que le groupe apportait une force intéressante, parce que j'étais intéressé à la fois à intervenir sur mes conditions de travail puis sur les conditions d'exercice du métier d'enseignant. Donc, il y avait ce double volet-là. La crise d'octobre, ça, je pense que ça a été un choc. Parce que c'est un moment clé peut-être pour la militance. La crise, moi qui n'étais pas membre de parti politique, qui venait pas d'un milieu super politisé, qui avait découvert un peu l'action, l'engagement social avec les colloques régionaux organisés par les centrales en 69. Il y avait la création de COPRI, le mouvement des coopératives, de travailleurs, la dimension de l'action citoyenne. On n'appelait pas ça comme ça à l'époque, mais c'était ça, des réflexions sur les conditions sociales et socio-économiques du Québec, sur la vie politique au Québec. Bon, ça, c'était comme mon ouverture plus en termes d'analyse, là, mais très concrète. Et la crise d'octobre, ça fait que moi, je n'étais pas dans aucun parti. Je n'étais pas dans un groupe, dans un comité de citoyens dans mon quartier. J'étais délégué de mon école. J'étais professeur d'histoire. Saint-Léonard, c'était notre milieu syndical aussi. La montée là, du nationalisme scolaire, la crise politique dans la commission scolaire de Saint-Léonard, ça, c'était mon milieu aussi. Et je me rappelle qu'une journée, les étudiants avaient décidé de faire la grève pour aller manifester sur la colline parlementaire à Québec, une des lois spéciales concernant la langue. Il y avait la loi 60, une des premières lois linguistiques qui donnait la même place à l'anglais, qui donnait le choix aux parents d'envoyer, confirmait le choix aux immigrants, pas tout le monde, d'aller dans les écoles anglaises. J'avais dit aux étudiants, il n'est pas question que vous sortiez sans être informé. Vous alliez savoir pourquoi vous sortez. Ça fait que là, on avait des profs convoquer les étudiants dans la salle de l'école. Et j'avais fait un exposé pour expliquer les tenants et aboutissants du projet de loi. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? On sort, on s'en va à Québec. Puis il y avait une mobilisation, je ne sais plus trop qui avait payé les autobus, mais on était finalement partis dans la même journée pour Québec manifester sur la colline parlementaire. Et je pense que ça a peut-être été un facteur qui a fait que, durant la crise d'octobre, j'ai eu la visite de la GRC. Moi, qui étais un peu naïve au plan politique, moi qui n'avais pas participé ni dans des comités de citoyens, j'avais aucun lien avec des felkistes, aucun lien avec les partis de gauche de l'époque. J'étais pas le portrait type pour être sur la liste des de la GRC comme militant de gauche ou d'extrême gauche, membre d'un parti. Je n'étais pas membre de parti politique. Donc, la police est venue chez nous. J'habitais chez mes parents à l'époque. La police est venue à la maison. Ma mère qui n'aimait pas plus qu'il faut la police. C'était pas une femme politisée, mais là, tu sais, elle est à son syndicat. Elle travaille pour ses collègues. Vous pouvez la rejoindre là. Puis, elle ne comprenait pas trop ce que c'était. La deuxième fois qu'ils sont venus, là, ils étaient moins jojo parce qu'ils lui ont dit, « Bien, écoutez, madame, c'est les mesures de guerre. » Puis, ils se sont mis à fouiller dans mes classeurs. Puis, elle a bien de la documentation, votre fille. Puis,
Bon, c'est ça. Mais elle dit, elle est professeure d'histoire, elle se renseigne pour être. C'était tout en lien avec mes études. Puis ceux qui ont fouillé là-dedans, ils n'ont rien trouvé. Mais tu sais, ça a été comme un choc que finalement, moi qui n'étais pas consciente que je faisais une action qui aurait pu être considérée comme antisociale. Ou criminel quand la police arrivait à la maison. Donc, ça m'a amené à être plus militante, je dirais pas agressive, mais plus intéressée à faire une action qui ait du sens au plan collectif puis au plan social, tout en continuant d'enseigner puis de militer à l'intérieur de mon syndicat. Puis là, après ça, c'est que à la CEQ comme dans d'autres centrales, mais c'était une époque où on a commencé à réfléchir sur l'action sociopolitique des syndicats, puis à comprendre qu'on pouvait faire une lutte pour nos conditions de travail, on pouvait défendre nos conditions salariales, nos conditions de profession, de métier d'enseignant, comme on disait à l'époque, l'améliorer ce métier-là. Mais en même temps que ça devait s'inscrire dans un tout plus large qui était justement les rapports de force dans la société. Le Front commun de 72 a été très significatif. On a fait une grande grève, c'était très motivant. On a occupé des écoles, les militants, ça occupait des écoles, ça apportait son sac de couchage, ça couchait dans l'école polyvalente. Puis même si la loi spéciale était passée, puis que les centrales nous donnaient le mot d'ordre de rentrer au travail, nous autres, on a refusé. Bon, c'était peut-être un peu anarcho-syndicaliste, sans me décrire comme tel, mais on refusait, on se sentait un peu. On comprenait pas. On comprenait pas. On se sentait comme un peu trahi. On n'avait pas l'idée de l'analyse politique qui avait été faite. On était dans la foulée de ce qui se passait à Sept-Îles, des ouvriers qui occupaient des stations de radio. Des grèves qui un peu partout qui se poursuivaient. Donc, puis on était, il faut dire, à Montréal, dans l'est de Montréal, c'était comme un peu un village. Ce que la ville de Montréal-Est, où était l'école où qu'on occupait, qui était un petit village à l'époque, la police de Montréal-Est, là, c'était mes anciens élèves, là, tu sais, qui sortaient de secondaire 5, qui étaient dans la police, tu sais, puis qui faisait deux fois mon salaire, là, tu sais, puis qu'on regardait un peu de haut, puis qu'on disait, là, toi, mon dernier de classe, là, t'es mieux de pas venir nous sortir de l'école, là, tu sais. C'était à peu près comme ça que ça se passait, les rapports, tu sais, c'était dans un petit village. Donc, finalement, d'une certaine façon, ça pouvait être une lutte qui défiait le système, mais en même temps, qui portait pas si à conséquence que ça, parce que la police nous a jamais arrêtés, nous a laissé faire, mais on perdait du salaire, puis on se disait, ben, on fait ça pour la cause, puis on a fini par retourner au travail, puis les lois spéciales n'étaient pas encore. Il y avait la loi de retour au travail après le Front commun, mais ce n'était pas du tout du même impact anti-syndical, anti-ouvrier. Que les lois qu'on a connues par la suite, mais ça a quand même été un facteur important dans mon action militante. Il y avait beaucoup de solidarité aussi qui s'est développée dans les syndicats. J'ai participé aux grèves, aux manifestations pour Pratt & Whitney, durant la grève de Pratt & Whitney. On a encouragé les enseignants puis les membres de nos syndicats à aller à des manifestations pour les travailleurs de Firestone à Joliette. Donc, il y avait ces années-là aussi cette nouvelle dimension qui était très stimulante parce que on sortait de notre milieu fermé d'enseignants, puis on allait comme avec le vrai monde, si on peut dire, là, sans mépriser le monde de l'enseignement. C'était difficile de dire dans un syndicat comme militant de base, on va faire une action, on va aller marcher en solidarité avec les travailleurs de Pratt & Whitney. C'était pas, il y avait du travail de conviction à faire là-dessus, puis même à la centrale.
Ouais. C'est sûr qu'il y en a qui s'en sont pas, remis de ça. Je vois encore je connais encore des enseignants qui ne voteront jamais PQ, même si ce n'était que pour un vote stratégique, ne voteront jamais PQ parce qu'ils se sont sentis trahis. Mais je trouve que ce qui est l'effet le plus difficile, ça a été vraiment la mondialisation, là. Ça a comme rendu compte les délocalisations d'emplois, les coupures. Sur le secteur public, c'était des coupures. T'sais, on se rendait compte que la pensée néolibérale faisait que les gouvernements devenaient de moins en moins ouverts au développement des services publics, que ce soit en santé ou en éducation. Moi, c'est ce que je connais le plus, l'éducation. Donc, et les lois spéciales étaient de plus en plus lourdes. Et ça devenait de plus en plus difficile, vieux comme jeune, là, je fais pas d'opposition, bébé boomer, même dans les années 90, d'aller chercher des mandats de grève dans les assemblées syndicales, c'était très difficile parce que les gens disaient, ben, le gouvernement va nous faire une loi spéciale, puis on ne rentrera pas avec quelque chose d'intéressant. La loi de 72, la loi spéciale qui a fait rentrer le monde au travail en 72, on était contre, mais après coup, on réalisait qu'il y avait la loi spéciale, mais le gouvernement avait été assez intelligent, étant donné le rapport de force, puis la crainte, qu'il y avait eu certainement une crainte à quelque part. Il nous avait donné, mettons, des bonbons, où il y avait eu des gains. La loi spéciale venait avec du dessert. Mais après ça, en 82... Le gouvernement n'hypothéquera pas l'avenir pour améliorer les salaires des employés de l'État. On réussit pas à défaire le discours et le gouvernement en a profité pour tous les gouvernements. Le PQ aussi, hein, Lucien Bouchard, hein, tu sais, l'équilibre, la dette, ça pogne encore. Donc, c'était les premiers discours. Puis que de toute façon, pour être rentable, il fallait que des entreprises produisent ailleurs. Puis il y avait moins d'impôts ici. Puis la jeune génération pouvait plus supporter nos salaires puis nos conditions dans le secteur public. Ça, c'est ce qui est le plus démobilisant actuellement. Un militant, une militante, c'est généreux. Tu sais, là, quand moi, je ramasse de l'argent, là, pour, je sais pas, pour la Fondation Laure Gaudreau ou la Fondation Léo Cormier, qui appuie la Ligue des droits et libertés, puis que j'essaie de placer ma voisine qui fait de la promotion des produits équitables dans les différentes organisations, puis qui travaille complètement gratuitement à la promotion de ces produits-là, c'est parce que je crois que c'est à la base qu'on peut changer les valeurs des gens. Des fois, là, quand je parle aux gens plus âgés, puis je dis le mot militant, ils pensent que ça porte une étiquette politique. T'sais? Mais pour moi, ça ne porte que des valeurs d'équité, de démocratie, de liberté, puis de solidarité. C'est ça la militance. C'est des valeurs de base, des valeurs, on peut dire humaniste, des valeurs, oui, des valeurs humanistes jusqu'à un certain point, là, puis qui sont ouvertes sur une espèce de cohérence entre ces valeurs-là puis notre comportement dans la société. Il y a des gens de mon âge, des retraités, qui passent leur vie à faire 3-4 voyages par année, hein, même si on dit qu'on n'a pas un gros... Non, notre retraite n'est pas indexée, mais on a quand même des revenus où on est capable de faire ça. Bon, ben, si le prix à payer, c'est ça, moi je fais pas 3 voyages par année, j'en fais un, ou je suis plus contrainte parce que je veux militer au sein de la REC, je veux. Tu sais, mais c'est pas parce que j'aime ça, c'est un choix. Mais c'est des conditions qui font qu'on n'a pas toujours la même disponibilité. Des fois, je me sens coupable de pas avoir vu ma mère, de ne pas avoir rendu visite à ma mère depuis 10 jours parce que j'ai eu trop de réunions de la REC où j'ai été impliqué à la table des aînés de Montréal.
puis j'arrive le soir, j'ai pas l'énergie pour aller souper avec elle à sa résidence. Bon, c'est plus ce genre de prix à payer que de la discrimination sociale, d'être mal vu dans ma famille, auprès de mes amis, parce que mon réseau d'amis puis ma famille, c'est un peu la même, ils ont un peu les mêmes valeurs. C'est ça, je suis dans un milieu qui est où j'ai pas de prix à payer ou de discrimination, puis je trouve que, bon, pour moi, d'avoir un gros char de l'année, je me promène en petite fit, tu sais, d'avoir, c'est ça, de vivre de façon luxueuse, puis d'avoir peut-être franchi une... À l'époque, il y a des gens qui m'ont dit, ben, voudrais-tu devenir directrice à la commission scolaire ou de prendre un poste de cadre à la commission scolaire? Pour moi, c'était normal. Je voulais pas d'avoir été présidente de syndicat, que les gens disent, bon, elle a fait ça parce qu'elle voulait un poste de cadre à la commission scolaire. Là. Ça, pour moi, ça, c'était incohérent. Je voulais pas que ça soit perçu comme un plan de... Que mon engagement syndical n'était pas un plan de carrière. C'était un véritable engagement militant. Tu sais, on critique beaucoup le système de l'éducation au Québec, là, depuis le rapport Parent, mais les jeunes ont appris quelque chose dans ce système d'éducation-là. Peut-être que je prêche pour ma paroisse, mais on a quand même enseigné l'histoire. On n'a pas enseigné l'histoire du chanoine Grou, là, à l'école. Hein? On a enseigné, on a fait porter un regard sur la société québécoise. Je pense que les jeunes qui ont dans les carrés rouges ont parcouru ce système-là, ont vécu au travers du système scolaire où il y a eu des valeurs transmises. Ils ont peut-être pas retenu toute leur date en histoire, puis il y en a qui se rappellent pas de la crise d'octobre là, là-dedans, qui l'ont pas connu, ils n'étaient pas là, mais en même temps, le système scolaire les a préparés, je pense, à ça. J'étais d'accord avec en général, la revendication d'un système de l'accessibilité à l'université. Puis je pense que le Québec n'était pas rendu à une accessibilité aux études universitaires acceptable. Donc, il y avait du chemin encore à faire. Puis, parce que je pensais qu'on ne pouvait pas voir l'université comme en Amérique du Nord. Le système d'école publique, comme on le voit aux États-Unis, c'est fait pour les riches, puis c'est fait pour des boursiers. Je me rappelle toujours, vous trouvez que ça coûte cher, l'éducation? Mais ça y est donc l'ignorance. En les regardant, là, moi, je trouvais qu'ils avaient de la maturité, ils étaient moins naïfs que moi, plus conscients des enjeux sociaux, puis des luttes sociales, puis des rapports de force, mais avec un discours très concret. Tu sais, avec un discours très ancré dans le réel, puis moins rigide, puis peut-être plus ouvert à... pas à des compromis, mais c'est ça, plus pragmatique en même temps. Ils avaient intégré le discours, puis ils étaient capables de le transformer dans une lutte, puis dans des objectifs concrets de leur lutte. D'être curieux, de toujours être curieux puis ouvert à une certaine remise en cause des lieux communs, d'être cohérent, de garder, s'ils sont militants parce qu'ils croient à des valeurs d'entraide, de solidarité, de générosité, il faut qu'ils soient cohérents. Leur discours militant, engager des gens avec eux, à participer à des revendications, à des comités de lutte, il faut que leur vie soit en accord avec leur engagement militant, avec leurs valeurs. Quand on pense à l'équité, au boycottage qu'on a fait de produits dans des pays, je trouve que c'est difficile des fois, on veut acheter du matériel, puis on sait qu'il vient de Chine ou on sait qu'il vient du Bangladesh. On sait qu'un produit a été produit au Honduras.
Bien, on n'achète pas des bananes du Honduras. On va acheter des pommes du Québec. Tu sais, c'est de la cohérence dans les petits gestes qu'on pose aussi. C'est plus difficile de faire attention à notre, à notre consommation puis aux achats quand on pense comme ça, hein, plutôt que de prendre n'importe quel produit, de ne pas savoir d'où il vient, puis ça n'a pas d'impact sur l'environnement, ça n'a pas d'impact sur les travailleurs, etc. Je trouve que il faut avoir cette cohérence-là. Ça vous convient-tu? Bon, bien, je n'étais pas en super forme parce que je suis fatiguée.